Ne me demandez pas qui je suis. Je suis juste un parmi d'autres. Demandez plutôt ce qui vibre en moi. Quelque chose au fond de moi. Avec mes pastilles pour la gorge, non? C'est ça la réponse qu'il faut vous faire? Non. Je suis très heureux. Je sors d'une aventure très longue. J'entre dans une aventure, une autre qui, j'espère, sera très longue aussi. Quelque chose qui me dépasse. Demande-moi ce qui me pousse, ce qui me transporte. Le monde entier et toutes les questions qu'on me pose depuis 2 mois auraient tendance à me faire penser le contraire. Mais moi, je me force à penser que c'est la même chose. Voilà, en tout cas, je le préparerai de la même manière. Une fois sur place, je vous dirai. On fera le point après France-Roumanie, mais a priori, c'est la même chose, oui. Je le sens bien. Je pense que Bichent aussi est content de travailler avec moi et de m'avoir à ses côtés. Il y a une petite expérience où on a déjà fait des matchs ensemble de Ligue des Champions à l'époque Canal. Bon, moi, j'écoute plus Bichent. Je ne sais pas si lui m'écoute beaucoup, s'il regarde la Ligue 1. Mais j'ai pas trop d'angoisse sur les automatismes et le relationnel qu'on pourra mettre en place rapidement. J'ai pas d'angoisse là-dessus. Oh, mais ça va être très facile, très simple. J'ai déjà commenté avec lui puisque j'étais à Canal avant et puis je sais qui il est. C'est un très grand professionnel, donc ça va pas durer longtemps les automatismes. Parfois avec des joueurs il faut de longs mois pour trouver les automatismes. Avec lui ça va dururer quelques minutes, je pense. Tous ces moments où on ne dit plus « je », mais « nous ».